Bonjour, je suis Monsieur Foalenglov René, concepteur développeur informatique, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans. Aujourd'hui, nous allons voir le livre 7 de la République de Platon. Le livre 7 est dominé par l'allégorie de la caverne. Socrate peint une scène, une grotte obscure et l'hôte d'un groupe de prisonniers enchaînés de telle façon qu'ils ne peuvent pas bouger la tête. Ils sont forcés de regarder le mur face à eux. Un feu reflète les ombres sur ce mur. Ayant toujours été dans la grotte, ils croient que les ombres sont vraies. Puis, un jour, un prisonnier est libéré. Il découvre que les ombres sont une illusion. Il est aveuglé par la lumière en sortant de la grotte. Retournant, livrer sa vérité aux autres prisonniers, il doit affronter leur rire. Ce prisonnier libéré est le philosophe qui, riche de la vérité, va répandre auprès de ceux qui vivent dans les ténèbres. Je vous remercie.